Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une décoration qui va faire partie de mon mariage. Mes arbres à fleurs, donc c'est des arbres à roses. Donc j'en avais déjà fait, alors j'aurais dû les préparer et je vais vous les montrer. Hop, voilà, en voilà un. Voilà, ça c'est... Alors, je vais enlever la caméra, sinon vous n'allez pas voir. Voilà, ça c'est un que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Voilà, vous voyez. Donc là, il avait été fait avec des roses de chez Action. J'avais fait l'année dernière. Bon, il était un petit peu abîmé parce que Fifi a mis son nez dessus. Et voilà, donc je vais refaire un peu la même chose. Sauf que là, ça va être fait avec des fleurs un peu plus petites. Parce que malheureusement, j'ai pas fait attention à la commande, à ma commande sur AliExpress. Les fleurs sont plus petites. Voilà. Vous voyez. Donc, je vous montre par rapport à la. Par rapport à une rose. Vous voyez. Voilà, elles sont beaucoup plus petites. Mais bon, on va, ça va aller quand même. Et donc, alors, le matériel que l'on a besoin, donc pour faire ces arbres à roses, donc des roses, bien sûr. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Quand même, essayer d'ouvrir mon volet, mais j'aime pas beaucoup parce qu'il y a de la lumière. Moi, pas entièrement parce que sinon on va voir ce qui se passe. Voilà, excusez-moi. Donc des roses, des boules de polystyrène. Donc là moi ce sont des boules de 10 ou 13 cm. Alors que je regarde, normalement c'est marqué dessus, ça doit être des 10, ça. C'est pas marqué. Là c'est 10 ou 13, donc c'est les 13 cm là. Voilà, il vous faut un pot. Vous vous rappelez des pots que j'avais acheté à Action. Ah, donc moi j'en ai un bleu comme ça et un rose comme ceci. Il vous faut alors des tiges pour faire le bois, l'arbre. Alors moi je prends des aiguilles à tricoter en bois parce que j'aime, j'utilise mes aiguilles à tricoter en bois parce que j'aime pas tricoter avec ça. Donc j'en ai, je les utilise. Donc voilà. Sinon bah, vous pouvez même prendre une branche hein, de dehors d'un arbre. Il faut quand même que ce soit assez fin. Ou alors une tige en fer mais que vous allez recouvrir de tissu. Voilà, ensuite vous pouvez prendre, donc là vous voyez, des décorations que vous allez mettre un peu partout. Donc là des petites perles comme ceci, donc j'en ai des bleus. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai commandé à AliExpress que j'ai reçu assez rapidement. Et j'avais commandé, alors là j'en ai beaucoup, des feuilles, donc ça c'est des bleus. Vous voyez, des petites feuilles bleues. J'en ai pris des argentées et des roses. Voilà. Et on pourra rajouter après, par la suite, on verra ce que ça donnera. On pourra rajouter des oiseaux sur les arbres. Ça, on verra par la suite. Voilà. Et vous avez besoin aussi de cailloux. Donc moi c'est les cailloux comme ça que je prends chez Action. Voilà. Et vous avez besoin aussi d'un bloc de mousse. Vous savez, c'est les blocs de mousse vert pour piquer les fleurs dessus. Et vous avez besoin de colle. Alors moi j'utilise celle-ci pour voilà, la colle Cléopâtre. Voilà. Donc ça la colle c'est pour moi utilisée pour coller les cailloux avec la mousse que je vais mettre dans le pot, la mousse et les cailloux. Voilà, donc ça c'est pour après. Et j'utilise donc
Là, je vais utiliser mon petit pistolet, donc un pistolet à colle et ses bâtons de colle, bien sûr. Le voici, donc les petits, hein, pas les gros. Là, je vais utiliser mon petit pistolet puisque les roses sont petites, donc ça ira beaucoup mieux pour moi pour les coller. Voilà. Donc là, on va. Alors, je vous montre les roses que j'avais achetées. Donc, j'ai pris des bleus. Alors, elles ont une petite dentelle autour, si vous voyez. Voilà. Elles ont une petite dentelle. Donc, elles sont mignonnes, hein, elles sont jolies. Donc là, c'est des paquets de 140. Il y a 140 roses donc par paquet. Donc les blanches, les bleues et les roses. Voilà. Donc il y en a 140 dans chacun. Donc je vais faire blanc, bleu et blanc, rose. Voilà. Et j'espère que j'en aurai assez du coup. Je pense que oui. Ça devrait le faire. Donc on va commencer par le rose. Hein. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour le bloc de mousse, il vous faut. Alors, vous voyez par exemple ici, vous voyez, j'ai un bout de bois assez fin. Donc, vous pouvez prendre ça. C'est une branche d'arbre. Donc, vous pouvez très bien prendre une branche d'arbre pour le faire. Ça fait aussi joli. Mais là, bon, j'en avais qu'une, donc je ne pouvais pas la prendre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Un couteau. J'ai oublié de prendre un couteau, mais ça va, je vais prendre autre chose. Voilà, je vais prendre ma lame à Fimo. C'est exactement pareil. Et ça, ça se coupe très facilement. On va couper les coins pour que ça rentre. Un petit peu. Voilà. Donc là, on va faire une petite marque pour voir jusqu'où ça va. Et on va couper un petit peu après. Parce que vous rappelez, on va faire une épaisseur de caillou. Voilà. Je trouve qu'il y en a. La mousse à pain, on en a pas. J'ai pas fait très droit. Je suis maniaque, hein. Moi, il faut que ce soit droit. Voilà. Et après, avec les petits morceaux de mousse, vous pouvez caler, hein, pour que ça bouge pas, si vous le souhaitez. Vous êtes sûr que ça bougera pas. De toute façon, après, on va couler de la colle dedans. Alors, je voulais faire cette création en direct, mais malheureusement, j'ai un problème avec l'ordinateur. Pas avec l'ordinateur en lui-même, mais avec mon câble de chargement électrique. Et du coup, j'avais peur que l'ordinateur s'éteigne d'un coup. Donc j'ai préféré vous filmer
cette création comme ça, avec la caméra. J'avais racheté mon, je sais plus si vous vous rappelez, j'en avais parlé, mon câble n'était plus bon. Donc j'avais été à Top Office, ils m'avaient vendu une boîte compatible avec mon ordinateur. Et au début ça allait très bien, et puis là à la longue il y a du jeu, ça ne va plus. Donc j'avais payé ça en plus 40 €, alors que c'était pas ça, le câble d'origine. Donc je crois que je vais devoir investir dans le câble d'origine. Vous voyez là, donc on met bien dans tous les trous pour pas que ça bouge. Donc la mousse est assez malléable, donc ça c'est bien. Ça ne devrait plus bouger, mais je vous dis, après avec la colle ça devrait aller. Donc là on va voir, il va falloir que je coupe ça, je le coupe ou je le casse, mais bon, je ne sais pas si je vais avoir assez de force pour le casser. Ah mais si, waouh, dis, tu es forte. Donc là j'ai pris des aiguilles à tricoter numéro 6. Donc on va viser le milieu, l'enfoncer bien au milieu, voilà. Voyez, comme ceci. Je vais mettre encore un peu de mousse là. Donc après la mousse on la verra plus, hein. Donc c'est pas un problème. Alors là par contre, voilà, je fais mon trou et là je vais mettre de la colle dans mon trou. Alors ce que vous pouvez mettre aussi, alors je ne sais pas s'il m'en reste, je crois pas qu'il m'en reste, c'est la pâte ni clou ni vis. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un tube de colle pour la maison qui sert, au lieu de mettre des clous par exemple pour accrocher un cadre ou quelque chose, vous mettez de la pâte, c'est un tube de colle, et vous collez votre cadre au mur. Voilà, donc vous pouvez mettre ça aussi. On va laisser couler. Prendre le petit morceau. Donc je fais ça, c'est pour que mon bâton tienne bien. Si on a trop, c'est rien, ça va, la colle, de toute façon, là, va me servir pour les cailloux. Donc, c'est pas un problème. On va prendre dans le trou. Et je remets, alors surtout vous gardez côté pointe vers le haut, hein, puisque vous allez devoir mettre la boule de polystyrène après. Donc voilà, donc là où vous en êtes, vous pouvez déjà mettre les cailloux si vous le souhaitez, puisqu'il y a déjà de la colle. Donc là on va verser de la colle. Ah, j'en ai partout. Ah, attendez, je prends un chiffon, ça me la jette.
feu pour qu'il y en ait bien partout. Et comme les cailloux, là c'est le rose, moi je vais prendre ceux-là. Donc ils sont beige un peu rosé. Je vais mettre aussi la poubelle pour pas en mettre partout. Alors d'abord il y a des petits cailloux, je vais utiliser les petits d'abord. Oups, une bulle de colle. Faire une première couche qui va bien, qui va permettre de cacher d'abord ben, la mousse. Hein. Je vais reprendre mon petit bâton. Voilà. Pour qu'il y en ait bien partout. Alors ces tubes là j'aime bien, bon c'est très bien, mais le problème c'est que les trois grosseurs sont dans le même tube et du coup c'est un peu embêtant parce qu'après j'ai besoin des gros, donc je vais devoir vider les petits et c'est ça qui est embêtant. Donc, on fait toujours pour que là je vous montre, voilà la première couche de cailloux qui est sur la colle. Après avec le doigt ben, vous appuyez hein. De toute façon la colle sur les doigts ça partira hein. Alors, le problème que je vous disais, c'est ça, c'est que là, je vais devoir vider les cailloux. Alors, par contre, les vider dans quoi? Je n'ai pas préparé. Ça y est, je m'en occuperai après. Alors, la mousse, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc, maintenant... Là, vous avez le milieu hein, de la boule est bien marqué par un rond. Donc vous repérez avec ça pour bien enfoncer votre boule de polystyrène. Désolé pour le bruit, hein, mais c'est ça, c'est politique. Voilà. Là, ça devrait aller. Rien ne bouge. Là, après, avec les gros cailloux, ça va être stabilisé. Donc, voilà ce que ça vous donne déjà. Vous voyez? Ça vous donne déjà l'aspect de votre arbre. Je vais mettre ça sur les cailloux, dans le cas où ça tomberait. Je me connais, Gaston Lagaffe. Je ferme ma colle. Mettre mon pistolet à chauffer. Et là maintenant, on va coller donc nos roses. Vous voyez, Gaston Lagaffe, j'ai fait tomber dans ma poubelle. Alors maintenant, pour retrouver, bonjour. Allez. Non. Mais je sais pas où il est tombé. Bon, je rechercherai après. J'ai fait tomber mon bâton de colle. Donc j'espère que j'ai encore assez de bâton de colle. Je sais plus beaucoup de petits, je vois. Donc, on va laisser chauffer. Ah,
on va le mettre de côté. Et là, comme c'est les roses, je vais manger les bleus. Il y a un bordel sur ma table. Mais bon, vous connaissez ça, hein, toutes. Je vais masser la mousse. Hop, voilà. Et donc, on commence toujours par le dessus. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là aussi, je vais certainement passer un ruban autour. Je vais voir comment je vais faire. Mes bâtons de colle et mes roses. Donc, vous voyez, les roses sont faites comme ça. Donc, moi, les petites tiges, je ne vais pas m'en servir. Hein. Je vais les enlever. On va déballer ça. Désolé pour le bruit. Voilà. Vous voyez, ça vous fait, il vous donne des petits bouquets comme ça. Voilà. Donc, on pourrait les coller directement, hein, mais non, moi je ne les colle pas comme ça directement. Je vais les coller une à une. Donc on tire. Vous avez juste à tirer la tige. Et donc voilà la petite rose que vous avez avec sa petite dentelle. On va déballer ici les blanches. Voilà. Deux paquets de chaque. Vous en aurez besoin de plus, bien sûr. Alors, on va voir si ça chauffe. Oh non! Mon bâton de colle. C'est pas vrai, ça. Et j'aurai mes petites boules aussi que je vais mettre entre deux. Alors, je ne sais pas encore comment. On verra. Donc, je vais mettre des blanches. Voilà, les boules. Et bien sûr, je vais mettre des roses. Puisque là, c'est l'arbre rose. Là, ça va parce que justement, les boules sont petites. Au contraire, là, je suis contente. Ma colle est chaude. Oui, alors moi pour voir si la colle est chaude, je mets carrément mon doigt dessus. Voilà, je suis habituée maintenant. Et on va commencer à coller. Donc on colle un petit point de colle sur le cul de la rose et on commence par le milieu. Voilà. Voilà, votre première rose est posée. Alors sur cela, vous avez des traits, voilà, qui sont marqués. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc vous pouvez suivre. Oh, par contre, je vais remonter la caméra, sinon vous ne verrez pas ce que je fais. Voilà, et pour mettre en reprend. Voilà. Vous ne verrez pas ce que je fais. Et moi, je vais enlever ça, sinon je ne vois pas ce que je fais. Ah, c'est fait. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, là, vous voyez. Excusez-moi, hein, j'essaie de me mettre au mieux. Alors je disais, oui, il y a des traits, donc vous pouvez suivre les traits aussi pour faire votre dessin. Alors, soit que vous faites des lignes horizontales, soit que vous faites des lignes verticales, ou soit que vous faites en aléatoire, une rose, une blanche, une rose, une blanche, voilà. Donc moi, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc je réfléchis. Parce que mes autres, j'en avais fait une en aléatoire, et là, j'avais fait des lignes horizontales. Donc, j'ai envie de faire du vertical, peut-être. Oui. Donc, allez. Faire du vertical. Donc je vais suivre ma première ligne. Donc
Donc ouais, vous mettez toujours votre colle, voilà. Et vous serrez bien vos roses, hein, surtout. Parce que le but, ça va être de ne pas voir la boule de polystyrène. Vous voyez, ça. En fin de compte, avec des petites roses, c'est pas, c'est aussi bien, je trouve. Oui. Alors, des fois, j'ai des. Ah, j'ai les doigts qui glissent. Alors, j'ai fait mon vernis ce matin, bah, je pourrais le refaire. Quelle idée de faire son vernis un jour où on fait de la colle chaude. On va aller comme ça jusqu'en dessous. Bon, je vais y aller directement avec la pince maintenant. J'ai du mal. Alors, si vous avez peur que ça s'en va, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les épingles, vous savez, avec les. Comme ça, avec les paillettes, comme ça. On a des petites épingles. Vous pouvez passer une épingle pour fixer dans la rose, à l'intérieur, au milieu, pour pas que ça se voit. Et ça fixera encore plus. Moi, souvent, je le fais à la fin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une pointe de colle avec votre pistolet. Bon là, vous voyez, c'est pas encore vraiment, ça tient pas encore vraiment. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle chaude. En trou. Et vous pouvez faire la même chose avec votre boule de polystyrène. Mais là ma boule de polystyrène elle a l'air de bien tenir, oui, donc ça va. Voilà ma première ligne de rose. Voyez, donc on va faire l'autre côté.
Donc on peut penser que ça fait un peu kitsch, que ça fait rococo, que bon, mais moi j'aime bien. Bon, puis ça fait une décoration un peu qu'on voit pas partout, hein? Puis là, bon, c'est une décoration que vous pourrez garder après. Si vous la faites pour le mariage, par exemple, comme moi, après vous pouvez la garder. Et moi, elle va certainement aller dans ma chambre après, puisque ce sera une rose et une bleue. Donc la rose ira sur ma table de nuit à moi, et la bleue sur la table de nuit de mon chéri. Bon, puis après, par la suite, on verra parce que bon, comme on a décidé, enfin, pas tout de suite, mais je vous tiendrai au courant le moment venu. On a décidé de déménager. Donc là, mon mari va être bientôt en retraite. Donc dès qu'il est en retraite, ben, on déménage. Mais on reste dans le nord. Mais je vais me rapprocher de mes petits-enfants. Voilà. Parce que bon, ben, ils sont pas loin. Ils sont pas très loin, mais bon, ça me manque que je les vois pas assez. Et donc on va se rapprocher d'eux. Et ils sont près de Valenciennes, donc on va aller là où ils sont. Donc comme ça, ben, je pourrais voir mes petits-enfants plus souvent. Et je sais que ma petite fille aime bien, commence à s'intéresser maintenant aussi à un petit peu au bricolage. Elle s'est mise à la Fimo. Elle a eu 10 ans là ce mois-ci. Maintenant elle aime bien l'atelier à mamie. Donc on pourra faire des petites choses ensemble. Et au moins bah, je serai à la campagne. Je ne serai plus en appartement normalement. Je serai dans une maison. Donc j'aurai mon petit coin de verdure. Parce que moi les appartements, j'en ai marre. Mais ça va, là où je vais, il y a un Action. Il y a un Action dans la ville. Donc ça va. Enfin dans la ville, non. Oui, c'est un gros village. C'est presque une ville, mais c'est un gros village. Donc je ne serai pas perdu. Et puis de toute façon, là, je connais, j'y ai déjà habité. Alors par contre, ça use beaucoup de bâtons de colle, hein, donc prévoyez. De l'heure parce que j'ai un rendez-vous chez le cardiologue. Je vais devoir vous filmer cette vidéo en deux fois, mais enfin vous l'aurez qu'en une fois. Alors, encore une, j'aurais fait le tour. Oui, ça vous fait déjà un joli rond, voyez, en rose. Ouais, j'aurais pas dû mettre le vernis. Hein. Oh là là.
J'essaye de pas casser mes ongles, de pas les ronger, de pas pour le mariage. Je voulais les faire faire par un truc là, Apinay, je sais pas quoi, là, ou Top Nail, je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans Auchan. Mais bon, ça coûte une fortune. Enfin, juste faire la manucure et mettre le vernis, c'est presque 40 euros. La zut. Je vais pas mettre 40 euros pour faire mes ongles. Alors voilà, voyez? Déjà. Donc, maintenant, on va faire du blanc. Et les perles, on mettra après. Hein. Oh, mais alors, ils ont collé hein, leur tige, c'est pas possible. Bon, allez, pour pas que ce soit trop long, je vous passe la suite en rapide. Voilà. Comme ça, sinon vous allez vous endormir devant votre écran. Allez, en rapide. Désolée, on a une petite coupure, ma carte vidéo était pleine. Donc voilà. Donc j'ai presque terminé le troisième rang. Donc on va le continuer. Il va falloir, je pense, à me prendre une carte plus grande. Oh là là, j'entends le vent dehors. Ouh, on a du soleil pourtant aujourd'hui. Le troisième rang est terminé. Donc,
vous aurez deviné, on continue avec du blanc. Donc là, plus on avance, moins on va en mettre, bien sûr, puisqu'on arrive dans le centre. Hein. Donc là, si on compte un arbre à rose, on vous revient à quoi, 5 euros, même pas. À condition, bien sûr, si vous prenez les fleurs chez AliExpress et d'autres fournitures chez Action. Et maintenant, on va remettre du rose. Oh, mais on va s'envoler dehors. Vous voyez là, il n'y en aura pas beaucoup à mettre. Je vais terminer tout au moins ce côté, parce que je vois que la batterie commence à baisser aussi. Je ferai l'autre côté hors caméra, puisque ce sera exactement la même chose. Et on refera la suite ensemble. Et donc il reste la place d'une fleur, donc ce sera bien sûr une blanche. Ça brûle. Voilà. Voilà ce que ça vous donne pour le premier côté. Hop, donc là. Vous voyez, ça déjà, ça fait déjà très joli. Donc là maintenant, hors caméra, je vais faire l'autre côté. Et on continuera ensemble donc la décoration donc avec les petites boules, les feuilles. Il nous reste encore après à mettre les cailloux. Voilà. Et donc là pendant le temps que je vais faire le deuxième côté, je vais recharger ma caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà. À tout de suite.
Voilà, les deux côtés sont faits. Voilà, regardez. Yeah. Donc en fin de compte, je suis bien contente quand même de mes roses. Elles donnent un bel effet quand même, malgré qu'elles soient petites. Donc ça me va très bien. Donc maintenant, il faut que je mette par-ci par-là mes petites perles. Donc on va déjà couper les queues. Hop là, voilà. Et voilà, je vais regarder comment je peux, si ça rentre dans le polystyrène ou si ça ne rentre pas. Bon, on va couper. On va voir comment on va faire. Une petite pointe de colle. Voilà, comme ça. Les blanches aussi, pas que j'oublie. Donc ça, je vais pas en mettre beaucoup quand même, hein. Je vais voir. Ah, c'est chaud! Ah, non, ça a joué du col, c'est là. Oh, c'est chaud! C'est très très chaud. Blanche. Je sais pas si vous voyez bien là. J'espère qu'elles ne bougeront pas. Et ça, c'est très très fragile. Enfin, c'est fragile, ça s'écrase facilement. Parce que c'est du plastique, genre polystyrène, je sais pas quoi. Donc ça s'abîme très vite. Donc il faut surtout pas appuyer très fort et surtout pas avec les ongles, parce que sinon bah, ça s'abîme. Rose. Et on rigole pas derrière. Purée. Trop chaud ça. C'est vraiment trop chaud. Waouh. Je me suis brûlé les doigts.
sais pas si vous allez bien voir, donc j'ai mis des perles. Sans, je vous ferai des photos, hein, parce que les petits détails. Bon, là, ça m'énerve. Ça veut bouger. On voit que j'ai pas encore mis les gros cailloux. Donc ça, les perles, si vous voulez en mettre, bon bah c'est aléatoire, hein, vous voyez vous comment vous voulez les placer. Après il vous restera soit on en met, soit que l'on met des argentés là le long de la tige, ou alors des roses. Je sais pas où les deux, je vais voir ce que je vais faire. La soufflette me fait mal. Bon, je remettrai peut-être encore après, je vais voir. De toute façon, je vais laisser calmer ma soufflette. Ah, je perds mes perles. Alors, maintenant, il faudrait que je vide ça. Alors, parce qu'il faudrait que je récupère les gros cailloux. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai vidé. Donc là, j'ai les petits cailloux. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Les moyens. Et là, il me reste les gros. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir que je fais, je vais mettre de la colle, du pistolet à colle, bien partout. Un peu à la fois, parce qu'il faut que je colle mes cailloux en même temps, et comme vous savez, la colle de pistolet à colle, ça sèche très très vite. Donc, on va déjà mettre, des gros cailloux. Déjà presque plus. Oh. Qu'est-ce qu'elle me fait, mon pistolet?
Voilà, ma décoration avec mes gros cailloux est faite. Avec tous les fils de colle qui traînent. Donc, alors là, ce qu'on peut faire maintenant, donc on va peut-être mettre des feuilles, donc soit argenté ou soit rose. Je pense que je vais faire argenté, parce que rose, ça va faire peut-être beaucoup. Si je fais argenté, voilà, bon j'en ai d'autres, hein. Que si je fais rose, ça va faire beaucoup de rose. Je vais essayer, mais je pense que ça me ferait trop de rose. Ça va faire trop de rose. On va faire argenté et allez, on va voir celui-là, pas perdu. Alors mon petit oiseau. Je vais voir si je laisse. Alors, est-ce que je colle? Ouais, je pense que je vais coller. Parce que si je remets un ruban, ça va trop faire. Donc, je vais coller mes feuilles. Mais ça peut me brûler, hein. Tant qu'à faire. Ce serait bien. Hop là. J'ai peur de la colle maintenant. Oh là 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 là.
Ouais, je crois qu'il y en a assez. Je vais voir ce que ça donne avec un petit oiseau ou pas, enfin un petit kangourou. Déjà ça, j'en ai pas besoin. Parce que c'est des oiseaux qui basculent normalement. J'aime bien avec l'oiseau. Je vais enlever tous ces fils de colle. Voilà. Bon, je pense que c'est bon, il n'y a rien de, il n'y a pas besoin de mettre plus quoi. Ouais, une petite rose en bas. Toujours dans le détail, moi, il faut que je rajoute. Ça permet de cacher un peu la branche de l'oiseau. Ben voilà, voilà ce que j'aime. Un petit nœud, mais non, je pense pas. Je pense que le petit nœud, ça va être trop. J'essaye quand même.
mais je pense que ce sera trop. Oh, tu fais des bêtises. C'est pour me dire, Edith, non, ne mets pas de petits nœuds, tu fais des bêtises. Oh là là. Non, le petit nœud c'est trop. Bon. Pas de petit nœud. Voilà. Là, on a terminé le premier arbre. Le deuxième, je vous le montrerai plus tard, mais quand il sera fini, hein, puisque ce sera la même chose, mais en bleu. Je vais pas vous refaire un tuto hein, dessus, puisque vous l'aurez déjà vu. Mais là, bon, il me manque quelque chose quand même. Il me manque des petites choses, peut-être des petites perles. Je vous dis, je suis insatisfaite de... garni un peu les cailloux. Voilà. Bon, là c'est bon, c'est sûr, je ne rajoute plus rien. Voilà, j'enlève les fils. Et voilà. Ah, désolé, mon téléphone. Donc voilà, je vais vous le prendre en photo, mettre les photos à la fin de la vidéo pour que vous voyez bien en détail. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Ça fera, je pense, de l'effet sur ma table. Donc il y aura le bleu et le rose. Voilà, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous trouvez qu'il y en a assez, si je dois encore rajouter, mais je pense pas. Hein. Je vais me bagarrer avec les fils de colle, hein, mais bon, ça fait rien. Dites-moi si je dois rajouter des choses ou pas, mais je pense que ça devrait aller. Je vous montre de plus près. Voilà, pour le pot, voilà ce que ça fait. Derrière. Et le bouquet. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce long tuto. Hein.
enfin cette longue création. Bah écoutez, si vous vous en refaites, n'hésitez pas à venir me le montrer, hein, soit par email, si, ou sur mon Facebook, sur ma page Facebook, ou sur mon groupe, hein, si vous êtes sur mon groupe. Je serais heureuse de voir vos versions. Et moi, bon, ben là, demain ou cette semaine, je vais faire le bleu et je vous montrerai le bleu une fois fini. Hein, de toute façon, et je vous montrerai les deux terminés également. Voilà, dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Il y a régulièrement des concours sur ma chaîne. Le prochain concours, je pense qu'il sera fait à Pâques. Peut-être, on verra, si vous êtes sage. Puis voilà. Et donc, il y aura aussi une création qui sera encore pour le mariage. Ce sera l'album. Donc là, je suis encore en train de penser à ce que je vais faire. Donc, je suis en train de faire sur papier pour l'instant, d'écrire sur papier comment je veux mon album. Là, je vais aller soigner ma soufflette qui me fait un petit peu mal, mais bon, c'est rien. Et on se retrouve très vite et très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.